À l'approche de chaque élection américaine, le monde entier a les yeux tournés vers la Maison-Blanche, au cœur de Washington, la capitale des États-Unis. Un bâtiment déjà légendaire pour lequel les ambitions s'enflamment, les campagnes électorales se déchaînent, l'argent coule à flot. Tout simplement parce que c'est le poste de pilotage de la première puissance mondiale. Si les murs de la Maison-Blanche pouvaient parler, on écrirait le scénario le plus extraordinaire des séries américaines. Depuis John Adams, à la fin du XVIIIe siècle, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Roosevelt, Kennedy, Nixon, Reagan, sans oublier les plus récents, Bill Clinton, Barack Obama et Donald Trump, 45 présidents américains s'y sont succédés. Or, la Maison-Blanche n'est pas que le centre politique du pays, c'est aussi la résidence privée de tous ces personnages avec leur grandeur et leur faiblesse. Ce soir, la Maison-Blanche nous ouvre ses portes, celle du célèbre bureau ovale, bien sûr, mais aussi l'aile réservée aux services secrets, la salle de commandement du bunker, les nombreux salons de réception du couple présidentiel. Grâce à nos images en 3D, vous allez voir comment 500 personnes se partagent le travail dans un lieu de pouvoir hyper sécurisé qui abrite depuis plus de 200 ans le président des États-Unis et sa famille. De l'allée de bowling voulue par Nixon à la piscine inaugurée par Ford en passant par le terrain de basket d'Obama, les présidents américains ont fait d'étonnants changements dans la résidence présidentielle. Mais ce sont surtout leurs épouses, les célèbres First Ladies, qui se sont à chaque fois chargées de la décoration intérieure. Grâce aux témoignages de ceux qui connaissent la Maison-Blanche comme personne, qu'il s'agisse du chef pâtissier français du couple Clinton ou du couturier de Melania Trump, vous allez découvrir la vie côté privé des présidents et de leurs familles. Et puis, chose incroyable, c'est en Dordogne, en France, que se trouve la réplique exacte de la Maison-Blanche. Alors qui, du château français de Rastignac ou de la résidence des présidents américains, est la copie de l'autre? Qui a imaginé la construction des célèbres colonnes de la Maison-Blanche il y a environ 2 siècles, alors que l'Amérique était en pleine révolution? La Maison-Blanche, c'est aussi le lieu de tous les scandales, le terrain des grands événements politiques, comme les traités de paix ou les déclarations de guerre. Ensemble, nous allons vivre côté coulisses les moments historiques qui ont marqué ce palais et parfois la face du monde. 1600 Pennsylvania Avenue, sans doute l'adresse la plus célèbre des États-Unis, l'adresse de la Maison-Blanche. C'est dans cette demeure aux dimensions modestes que les présidents américains et leurs familles se succèdent depuis plus de 200 ans. C'est un lieu qui a 3 dimensions, d'une certaine manière. Une dimension symbolique, c'est la maison des Américains. Une dimension fonctionnelle, c'est là que tous les collaborateurs innombrables du président travaillent. Et puis, c'est aussi la demeure concrète de la famille au pouvoir. Une résidence qui se veut à la fois un bureau pour le président des États-Unis. La Maison-Blanche, bonjour. Un lieu de vie pour la famille présidentielle. Un musée visité par 500 000 d'Américains chaque année. Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir. Et quand ces visiteurs entrent pour la première fois à la Maison-Blanche, ils y pénètrent par le côté nord. Ils se retrouvent aussitôt dans une pièce rectangulaire de 9 mètres sur 13. C'est le hall d'entrée. Une des pièces les plus photographiées de la résidence, c'est l'endroit où les présidents américains et leurs invités de marque ont l'habitude de se présenter face à la presse. Un passage obligé avant les dîners d'État, tandis que l'orchestre de la Maison-Blanche joue « Gloire au chef », une marche musicale composée spécialement pour le président des États-Unis. C'est dans ce même hall que John Travolta et la princesse Lady Di se lancent dans une danse endiablée sur la musique de la fièvre du samedi soir. Nous sommes en 1985, lors d'une réception organisée par Nancy et Ronald Reagan, le 40e président des États-Unis.
Madame Reagan s'est assurée que John Travolta soit bien invité à la Maison Blanche. Mais ensuite, c'est John Travolta qui l'a poussé à lui présenter la princesse Diana. Il l'a invité à danser et c'est à ce moment que l'orchestre a commencé à jouer. C'était une scène digne d'Hollywood. Séparé du hall d'entrée par des colonnes doriques, se trouve le vestibule. Un long corridor qui donne accès à toutes les autres pièces de l'étage d'État. La pièce bleue, la pièce verte et la pièce rouge. Toutes ces pièces à l'identité marquée sont des salles de réception où le président américain et la First Lady ont l'habitude de recevoir leurs invités. Le corridor, long de 25 mètres, relie la salle de bal de la Maison Blanche, tout récemment rénovée par la First Lady Melania Trump, et la salle de dîner d'État. Au deuxième étage de la résidence se trouvent les appartements de la famille présidentielle. C'est la partie la plus privée, la plus secrète, la plus passionnante peut-être, celle où les différents présidents et les différentes premières dames ont laissé le mieux leur empreinte, c'est-à-dire les appartements privés du président des États-Unis. Des appartements qui donnent directement sur les jardins de la Maison Blanche. Des jardins qui ont été le théâtre de moments historiques, comme cette réconciliation entre Israël et la Palestine que le monde entier croyait encore impossible quelques mois plus tôt. Nous sommes en 1993. Rendons hommage aujourd'hui à ces dirigeants qui ont eu le courage de conduire leur peuple vers la paix. Loin des cicatrices de la bataille, des blessures du passé et vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, le monde remercie le Premier ministre Rabin, le ministre des Affaires étrangères Peres et le président Arafat. Cette rencontre historique dans les jardins de la Maison Blanche entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat se solde par une poignée de main, synonyme d'espoir au Moyen-Orient. Ces mêmes jardins ont été témoins de moments plus intimistes, comme ce 12 juin 1971. Ce jour-là, le président Richard Nixon est aux côtés de sa fille Patricia, qui se marie à la Maison Blanche. Ce qui est magnifique avec les mariages de la Maison Blanche, c'est qu'ils permettent d'humaniser la présidence. Je pense que tout le monde peut s'identifier en pensant au mariage de sa fille, de sa sœur ou de son amie. Le mariage de Tricia Nixon, par exemple, la fille du président Richard Nixon, n'a été que le 8e à avoir lieu à la Maison Blanche. Le perron de la Maison Blanche se veut le lieu où sont accueillis les invités de marque du président américain et de sa femme. La face visible de la diplomatie et de la politique américaine. La Maison Blanche est enfin le lieu d'où part la parole présidentielle. Comme ce jour où le président Barack Obama annonce la mort d'Oussama Ben Laden. Bonsoir. Ce soir, je peux annoncer au peuple américain et au monde entier que les États-Unis viennent de mener une opération qui a entraîné la mort d'Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda. Quelques heures plus tôt, la Maison Blanche était devenue un centre opérationnel militaire, d'où le président pouvait diriger le raid contre le leader d'Al-Qaïda. C'était plus de la résidence tranquille, on reçoit en effet les hôtes dans le Rose Garden ou dans les différents appartements de la Maison Blanche pour les dîners officiels. C'était un centre de guerre opérationnel pour montrer encore une fois de plus que c'est bien le président qui gère les affaires. C'est lui qui est à la tête, il est le patron en chef. Ce soir du 1er mai 2011, les Américains se retrouvent à la suite de cette annonce devant les grilles de la Maison Blanche. Tout un symbole. Encore une fois, la résidence présidentielle américaine est au cœur de l'histoire. Chaque recoin de celle qu'on appelait 200 ans plus tôt la Maison du Peuple est empreint d'un passé, d'une histoire à la gloire des États-Unis, mais aussi de ses propres tragédies.
Quand chaque nouveau président et la première dame entrent à la Maison-Blanche, l'émotion les submerge. Je pense que cela les touche profondément, de savoir qu'ils se trouvent dans cette maison qui a vu tellement d'histoires incroyables. De la guerre civile, au Vietnam, du 11 septembre à ce qui se passe actuellement en 2020. La Maison-Blanche fait partie de l'histoire de l'Amérique. La Maison-Blanche, c'est là où ça se passe. C'est là où sont décidées les grandes options. C'est le lieu de pouvoir par excellence. La Maison-Blanche et le président américain, c'est un couple qui fonctionne de manière assez fusionnelle. C'est-à-dire que le citoyen qui devient président, à partir du moment où il met le pied à la Maison-Blanche, bah, il est transformé par ce lieu. Il devient le président des États-Unis. Et même si chaque président a essayé de laisser sa marque sur la Maison-Blanche, sur les lieux, sur les décors, il est évident que ce qui compte, au fond, c'est le bâtiment, c'est son décor, ce sont les images que tout le monde connaît, qui s'impriment et qui sont beaucoup plus fortes au regard de l'histoire que les transitoires occupants des lieux. La Maison-Blanche n'a que 200 ans d'histoire, mais elle semble rythmer la vie et l'histoire de l'Amérique depuis toujours. En deux siècles à peine, ce bâtiment est devenu à la fois une légende, mais aussi un symbole, celui du pouvoir. Pourtant, à la fin du XVIIIe siècle, ni la Maison-Blanche, ni même la ville de Washington n'existent. Un homme est à l'origine de cette transformation, et c'est un Français, Pierre-Charles L'Enfant, en 1791. La Maison-Blanche fait aujourd'hui partie du patrimoine de l'humanité. Son architecture néoclassique est connue de tous, avec sa rotonde facilement reconnaissable du côté sud, son portique au nord inspiré des bâtiments officiels irlandais, sa couleur d'un blanc immaculé qui lui a donné son nom et ses pièces emblématiques. Comme cette salle de bal, qui accueille depuis toujours de somptueuses réceptions à l'ombre de ces chandeliers massifs que l'on doit au président Andrew Jackson en 1830. Si on a l'impression que la Maison-Blanche a toujours appartenu à l'histoire des États-Unis, sa construction est pourtant récente. Il y a 200 ans, elle n'existait pas. Ces travaux vont marquer le point de départ de l'histoire de cette toute jeune république qui, jusqu'alors, n'était autre qu'une colonie de l'Empire britannique. Il faut se replacer au moment où les 13 colonies proclament leur indépendance, c'est-à-dire en 1776. Là, il n'est pas question de créer une capitale nouvelle. Une indépendance acquise au prix de lourds sacrifices, avec plus de 70 000 morts côté américain. Une indépendance gagnée notamment avec l'aide des Français. Alors il y a le plus célèbre de tous parce qu'il était le plus riche et parce qu'il a été le mieux à même de faire sa propre publicité. C'est bien sûr Gilbert Mottier de Lafayette. Hein. Lui a été un emblème d'une certaine manière, mais il n'y a pas que Lafayette. 10 ans plus tard, le pays se dote d'une constitution et élit pour la première fois en 1789 son président, George Washington, alors que la Révolution française bat son plein de l'autre côté de l'Atlantique. Alors c'est un président d'ailleurs dont on se méfie un peu. Pourquoi ? Parce que pour les Américains de cette époque, ça évoque éventuellement le roi d'Angleterre. Et le roi d'Angleterre peut devenir un tyran. Et le président des États-Unis, est-ce qu'il ne va pas lui aussi devenir un tyran ? Washington est issu d'une famille de planteurs de l'État de Virginie. D'origine anglaise, mais il est également français. Il est un descendant direct d'un huguenot originaire de l'île de Ré, Nicolas Martiot. L'homme est un visionnaire et il sait que les États-Unis doivent désormais se doter d'une capitale pour exister aux yeux du reste du monde. Une capitale avec des bâtiments destinés à accueillir la future administration américaine, les élus du peuple, mais aussi le président qui se verra doté de sa propre résidence. Le Congrès donne 10 ans à George Washington pour bâtir la capitale fédérale, pour construire la capitale des États-Unis avec le futur Congrès et la Maison-Blanche du président. C'est un objectif très ambitieux. 10 ans pour bâtir cette capitale
à partir de rien. Le défi ne fait pas peur à George Washington. Il choisit un territoire composé de terres léguées par les États du Maryland et de la Virginie du Sud, qui devient ainsi le district de Columbia. Et cet espace-là, eh bien, il va devenir l'espace central des États-Unis, alors qu'à l'origine, eh bien, c'est un espace où il n'y a rien. Ces grandes étendues autour du Potomac, qui ne sont pas particulièrement accueillantes. C'est très marécageux, beaucoup de forêts, beaucoup de taillis, énormément de fièvre jaune, de scorpions, de moustiques. Enfin, ce n'est pas très hospitalier. La ville n'a pas encore de nom. Elle s'appellera d'abord, et ce n'est pas une vraie ville, Federal City, la cité fédérale. Il sait d'ores et déjà à qui il va confier ce projet pharaonique. Il s'agit de l'un de ses plus fidèles aides de camp. Il est français, tout juste naturalisé américain. Il s'appelle Pierre-Charles L'Enfant. Je pense qu'on n'a plus aujourd'hui l'idée de ce qu'a été la fascination des jeunes Français du règne de Louis XVI pour cette révolution américaine. C'est un laboratoire là-bas, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Ça fascine tout le monde. Et pour un Pierre-Charles L'Enfant, pour cet enfant qui a été élevé à la cour, qui est né aux Gobelins, qui a constamment connu tout ce que l'Ancien Régime avait de plus contraignant, de plus pesant, de plus grandiose aussi, le caractère innovant, le caractère révolutionnaire de la République en cours d'installation aux États-Unis devait avoir quelque chose de merveilleux. Et l'enfant se sent si bien chez lui aux États-Unis qu'il a même transformé son prénom. Il ne s'appelle plus Pierre, il s'appelle Peter. Donc ça veut dire qu'il est devenu américain. Il se sent profondément américain et il soumet un plan à George Washington. L'enfant connaît très bien les grandes villes européennes et en particulier Paris. Et quand vous regardez les premières esquisses de son design pour Washington, cela ressemble beaucoup plus au Paris des 18 et 19e siècles, avec ses larges boulevards, ses grands jardins et ses fontaines. George Washington veut, lui, une grande capitale. Une capitale qu'il voit comme la Rome du monde occidental. Le plan de Pierre-Charles L'Enfant s'inspire alors directement des grandes capitales européennes. À vrai dire, Pierre-Charles L'Enfant aurait aimé construire la Maison Blanche. Il n'imagine pas qu'il puisse créer une ville nouvelle sans être responsable également de la construction du palais présidentiel. Mais il faut compter que son caractère, absolument impossible. C'est un homme qui est absolument ingérable, comme nous dirions nous aujourd'hui, d'autant plus que, pour ce qui doit devenir la maison du peuple, on estime qu'il faut procéder par voie de concours. 9 projets sont proposés à l'occasion de ce concours. C'est finalement le projet de James Hoban, un architecte d'origine irlandaise, qui est choisi. George Washington est le seul président des États-Unis sur les 45 que nous avons eus à ne pas vivre à la Maison-Blanche. Mais il est très important pour lui de choisir à quoi elle va ressembler. George Washington choisit le jeune architecte irlandais James Hoban pour concevoir la Maison-Blanche. Il avait vu des œuvres de Hoban quand il était allé à Charleston en Caroline du Sud et a vu ce que Hoban avait fait là-bas. George Washington fait donc en sorte qu'Hoban remporte le concours pour concevoir la Maison-Blanche. George Washington va décider de faire agrandir cette résidence parce qu'il a une vision très exigeante des pouvoirs du président. Si cette Maison Blanche doit être plus importante, c'est parce que les pouvoirs du président vont devoir être plus importants avec des équipes. Ça veut dire que George Washington, l'idée qu'il se fait de cette architecture, il y a derrière l'idée du pouvoir du président. Dis-moi quelle idée tu te fais de l'architecture du bâtiment et je te dirai quelle vision tu as de la présidence américaine. James Hoban et Pierre-Charles L'Enfant vont donc travailler en parallèle. Et pour mener à bien leurs 2 projets, il leur faut une grande quantité de pierre. Et de la pierre, le président George Washington sait déjà où en trouver. À Washington, l'enfant est très impliqué dans l'organisation des travaux et dans l'achat près du comté de Stafford de Government Island. C'est sur cette île que seront extraits plus tard une majorité des pierres utilisées pour construire la maison du président et le reste de la ville. George Washington fait totalement confiance à l'enfant. Pierre-Charles L'Enfant se rend donc à 70 km au sud de la future capitale pour acquérir, au nom du gouvernement américain, une carrière de pierre.
Il faudra aux Français plus de 3 jours pour couvrir la distance dans cette région hostile et marécageuse. Nous sommes au bord du fleuve le Potomac, dans le comté de Stafford. Et cette carrière existe encore aujourd'hui. George Washington a grandi ici. C'était sa maison d'enfance. Et il était très habitué à cette île. En fait, elle était connue sous le nom de l'île de Brance. Il avait utilisé cette carrière de pierre pour ses marches à Mount Vernon. Et en ayant grandi ici, dans le comté de Stafford, il connaissait très bien cette île. Les pierres de cette île étaient destinées aux garnitures architecturales. De nombreux bâtiments historiques en Virginie et sur toute la côte Est utilisent ce qu'on appelle ici de l'Aquia Stone pour leurs ornements. Ces pierres vont donc servir à la construction de Federal City, la future Washington, et plus particulièrement aux bâtiments fédéraux américains. Le Capitole d'abord, mais aussi la future Maison Blanche. Ce qu'ils faisaient habituellement, c'est qu'ils éliminaient toute trace de végétation sur le devant. Ensuite, ils utilisaient des marteaux et des pioches et ils attaquaient la face avant. Puis ils creusaient des canaux d'une largeur de 50 cm, d'abord sur un côté, puis à l'arrière, et enfin, ils terminaient par l'autre côté. La pierre pèse 50 kg, donc elle est assez lourde. Ils déterminent ensuite comment ils doivent l'extraire et quelle pierre doit être enlevée. C'est donc à l'aide de poulies et de cordes qu'ils parviennent à retirer la pierre de la carrière. Vous pouvez voir que la pierre est très brune. Mais quand on l'ouvre, elle est très blanche. Maintenant, le morceau que j'ai ici, vous pouvez voir les marques d'oxyde de fer dessus. Mais quand elle est extraite, c'est une pierre vraiment très blanche. Ce sont donc des blocs de pierre blanche qui sont extraits de cette carrière, puis qui remonteront le fleuve à bord de barges jusqu'à la future capitale américaine. Les pierres sont alors déchargées, puis taillées par les maçons écossais. Des maçons célèbres à l'époque pour leur savoir-faire et pour ces roses qui ornent la façade de la Maison Blanche. La rose est un motif très populaire que les tailleurs de pierre utilisent au XVIIe et XVIIIe siècle. Et lorsque la Maison Blanche est construite et qu'on ajoute les piliers, alors on fait appel aux mêmes tailleurs de pierre écossais, parce que certains d'entre eux sont restés aux États-Unis après la construction et ils continuent de travailler à Washington. On fait aussi appel à des tailleurs de pierre américains pour imiter le même motif. La rose écossaise est quelque chose qui est très visible sur les bâtiments à l'étranger et qui l'est également sur la façade de la Maison Blanche. Ces maçons vont aussi appliquer un mélange à base de chaux sur ces pierres pour les rendre imperméables au froid, les hivers étant particulièrement rudes dans la région. Ce mélange va alors blanchir un peu plus l'aspect général de la résidence présidentielle, donnant ainsi naissance à la Maison Blanche. Les tailleurs de pierre écossais mettent ces pierres en grès très poreuses pour construire la Maison Blanche. Ils badigeonnent la pierre pour sceller les fissures, car c'est une pierre très douce. Ensuite, le mélange blanc est là pour empêcher l'eau de s'infiltrer et pour que la pierre ne craque pas avec le gel. Donc, on l'a surnommée la Maison Blanche. Aujourd'hui, ce mélange a été abandonné au profit d'une peinture blanche. Plus de 2000 litres de peinture sont nécessaires pour donner à l'édifice cette couleur qui est sa marque de fabrique. Le chantier va durer 8 ans. Si les Écossais dirigent le gros œuvre, la majeure partie des ouvriers est constituée d'esclaves noirs. Lorsque le gouvernement fédéral décide de déménager, il se rend rapidement compte qu'il n'y a tout simplement pas assez d'ouvriers ici pour faire ce genre de travaux. Il se tourne alors vers de nombreux propriétaires d'esclaves qui vivent dans la région pour fournir la main-d'œuvre nécessaire à la construction de la Maison Blanche.
les États-Unis, depuis leur origine, ont une double fondation, la passion de la liberté et l'exact opposé, qui est l'esclavage. Et c'est le conflit originel dont on voit les traces jusqu'à aujourd'hui. Les hommes qui ont fondé et qui ont gouverné cette république où l'on proclamait que tous les hommes sont libres et égaux, avaient tous des esclaves. Il y a des esclaves à Philadelphie, il y a des esclaves à New York, il y a des esclaves à Boston, il y a des esclaves partout. Parce que sur les 4 millions d'Américains du premier recensement, c'est-à-dire de 1790, il y a 1 million d'esclaves. Donc ça veut dire qu'un Américain sur quatre est dans la servitude. Un passé esclavagiste qui refait surface en 2016 à Philadelphie. Ce soir-là, Michelle Obama, la première First Lady noire de l'histoire des États-Unis, est très émue au moment d'évoquer cet épisode oublié de l'histoire américaine. Voilà l'histoire de ce pays. L'histoire qui m'a conduit sur scène ce soir. L'histoire de générations de personnes qui ont ressenti le fouet de l'esclavage, la honte de la servitude, la douleur de la ségrégation, mais qui ont continué à espérer et à faire ce qui devait être fait. Aujourd'hui, je me réveille tous les matins dans une maison construite par des esclaves. Et je regarde mes filles, deux belles et intelligentes jeunes femmes noires, jouer avec le chien sur la pelouse de la Maison Blanche. L'année 1800 marque la fin des travaux. La President House est quasiment terminée et accueille son premier locataire, John Adams, le deuxième président américain. George Washington, décédé un an plus tôt, ne verra jamais l'ouvrage terminé. John Adams s'installe donc avec sa femme Abigail dans une maison blanche encore en plein travaux. La résidence du président s'organise à l'époque ainsi, avec un grand hall d'entrée qui donne sur les célèbres pièces vertes, pièces bleues et pièces rouges de la résidence. À gauche se trouve la future salle de bal de la Maison Blanche, la fameuse East Room, où dans un premier temps, la première dame a l'habitude de faire sécher son linge. À droite, la salle à manger de la famille présidentielle ainsi que les cuisines. Au premier étage se trouvent les bureaux du président, de nombreuses chambres pour la famille et leurs invités, et enfin une bibliothèque. L'édifice fait 21 mètres de hauteur et un peu plus de 50 mètres de largeur. Il aura coûté 232 372 dollars de l'époque, soit l'équivalent de 60 millions d'euros actuels. Ce qui frappe le visiteur lorsqu'il vient à la Maison Blanche, c'est que, somme toute, la demeure a beau faire quelques 5000 mètres carrés pour ce qui est de la partie habitable, ça n'est pas si grand que cela. La demeure historique en tant que telle n'est qu'un très gros hôtel particulier, qui d'ailleurs a été le plus gros des États-Unis jusque vers le milieu du 19e siècle seulement. Assez vite, les propriétés des milliardaires un peu partout, notamment sur l'Hudson, sont devenues beaucoup plus imposantes que la Maison Blanche elle-même. Plusieurs versions existent sur les origines de la célèbre colonnade en style paladien de la Maison Blanche. Des plans anciens et des témoignages écrits mentionnent qu'un château français serait à l'origine de la façade la plus célèbre de l'histoire des États-Unis. Vous êtes ici au château de Rastignac, en Dordogne. Et ce château est très célèbre, car il a les mêmes colonnes qu'un autre célèbre bâtiment, la Maison Blanche à Washington, D.C., aux États-Unis. Ces deux portiques, on peut le voir d'ici, sont tellement semblables l'un à l'autre que les gens disent toujours « qui est la copie de qui ?» Et c'est une question très intéressante, une question très simple. Pourtant, pour l'expliquer, c'est un peu plus compliqué. «
Cette étrange ressemblance, on la doit sans doute au troisième président américain qui a eu l'occasion de voyager en France alors qu'il était ambassadeur des États-Unis entre 1785 et 1789. Nous sommes ici dans l'un des salons du château. Nous avons ici quelques livres sur Rastignac et la Maison Blanche. Et un de ces livres parle de Thomas Jefferson, car il a fait un voyage en 1789 à Bordeaux. On y raconte qu'il a visité l'école d'architecture de Bordeaux et beaucoup de gens pensent qu'il a peut-être vu les plans de Rastignac à cette époque et qu'il a été si enthousiaste qu'il a emmené l'idée avec lui à Washington. Donc, ici, dans ce château, vous trouverez la seule date, celle de 1815, une date de l'époque napoléonienne. Mais le château de Rastignac est typiquement un exemple d'architecture de style Louis XVI. Nous sommes ici dans une partie du bâtiment qui ressemble, je pense, en termes de construction, à la Maison Blanche, avec probablement le même genre de cave, avec au-dessus une pièce ovale. Nous sommes très proches de l'architecture de base qui était au XVIIIe siècle néoclassique. Alors, que peut-on répondre à la question « qui a copié qui ?» Nous dirons plus simplement qu'il y a un style commun, le style néoclassique basé sur l'architecture gréco-romaine. Ce point commun entre la Maison Blanche et le château de Rastignac est donc cette architecture dite néoclassique. Ce mélange d'influences grecques et romaines avec cette rotonde typique de l'époque. Cette question de savoir qui du château de Rastignac ou de la Maison Blanche s'est inspiré de l'autre continue de passionner les historiens de la région. En 1970, le directeur des services d'archives de la Dordogne tente d'ailleurs d'y apporter quelques réponses en se plongeant dans les archives du château. Ce sont des archives de la famille de Rastignac qui ont été données aux archives départementales, qui donc font partie des fonds privés que nous conservons. Et en particulier, nous avons la chance d'avoir dans ces archives les comptes du régisseur du marquis Pierre de Rastignac, qui est le constructeur du château, et des comptes qui vont de 1811 à 1817. Et quand on parcourt ces comptes, avec un petit peu d'attention, parce qu'ils sont écrits très petits, on arrive à retracer les différentes étapes, d'abord de la démolition de l'ancien château, puis de la construction du château actuel. La construction de Rastignac est postérieure à la construction initiale de la Maison Blanche. On voit bien que tout ce château a été construit en une seule fois, sans reprise. Mais en revanche, la colonnade de Rastignac est antérieure à celle de la Maison Blanche. Donc c'est à la fois oui et non. D'après ces cahiers d'avancement des travaux, le château de Rastignac a été construit par l'architecte Blanchard entre 1811 et 1817. Donc la rotonde de la Maison Blanche, l'élément emblématique de la résidence présidentielle américaine, a été construite après celle du château de Rastignac. Les Américains se sont finalement peut-être inspirés de cette bâtisse néoclassique qui fait aujourd'hui la fierté de toute la Dordogne. Depuis 1830, la Maison Blanche s'est en effet considérablement agrandie, tout en restant fidèle aux aspirations des pères fondateurs de l'Amérique. Cette demeure historique incarne un certain esprit qui est l'esprit de Washington, de Jefferson, d'Adams, des grands fondateurs. Il est évident qu'à partir de cette base historique, néoclassique, il y a la volonté de traduire dans la pierre, de traduire dans un monument ce que doit être l'édifice politique de la nation. Une espèce de clarté, de force et de solidité, de transparence aussi. Et s'il y a une notion qui sera au cœur de toute l'histoire de la Maison Blanche, c'est bien la notion de transparence.
Une maison qui est devenue un véritable palais présidentiel aujourd'hui, avec deux ailes supplémentaires à l'est et à l'ouest. Ce sont 132 pièces réparties sur plus de 5000 mètres carrés et 6 étages. On compte 35 salles de bain, 147 fenêtres, 412 portes, 28 cheminées, 8 escaliers et 3 ascenseurs. C'est aussi une bibliothèque riche de 2700 ouvrages du monde entier, une salle de cinéma, une piste de bowling récemment rénovée par les services de la Première Dame. Sans oublier une piscine et un court de tennis, le tout entouré d'un parc de plus de 7 hectares. L'une des pièces les plus emblématiques de la Maison Blanche est sans conteste le bureau ovale, véritable cœur du bâtiment où chaque président travaille, reçoit ses hôtes et parfois même y joue sa carrière. Tout se décide dans cette pièce si particulière où John Fitzgerald Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, Barack Obama, Donald Trump ou même Bill Clinton y ont vécu des moments plus ou moins glorieux. Je vous propose donc de visiter ce bureau mythique dans les moindres détails. L'histoire de la construction du bâtiment, les coulisses des événements lourds qui s'y sont déroulés, jusqu'à la provenance même du bureau sur lequel travaille le président, fabriqué dans un bois qui vient de la coque d'un célèbre navire. Sur la gauche de la Maison Blanche se trouve l'aile ouest, une extension de la résidence entièrement dédiée au travail du président et de la cinquantaine de proches collaborateurs qui l'entourent. C'est l'aile politique du bâtiment. On y trouve notamment les bureaux du porte-parole, ceux du vice-président et bien sûr le célèbre bureau ovale. Les médias, le quatrième pouvoir américain, sont quant à eux regroupés dans la salle de presse de l'autre côté de la colonnade. C'est d'ici que partent la plupart des images officielles et les déclarations des présidents américains. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous écoute. De toute évidence, il vaut mieux ne pas être à découvert. Si vous levez ces restrictions trop vite, n'avez-vous pas peur de voir le virus se répandre de nouveau ? Comment pouvez-vous être sûr que cela n'arrivera pas ? Vous savez, nous avons maintenant un système, et ce système est en place. Pas s'ils attendent jusqu'à ce que quelque chose soit annoncé. Monsieur le Président, je vous remercie. Cela va nuire à votre réputation, Monsieur le Président. Quelque chose à ajouter, Président ? Cette aile de la Maison Blanche est ajoutée et décidée par Theodore Roosevelt en 1901. Le 26e président des États-Unis a besoin de place pour travailler. Et avec sa femme et ses 6 enfants, la résidence présidentielle est devenue beaucoup trop petite. Il décide donc de raser les serres qui jouxtent la résidence. Des serres qui abritent alors des plantes tropicales et une orangerie. Ce lieu paisible, où les premières dames aimaient prendre le thé, est appelé à devenir le cœur de la politique présidentielle américaine. Les travaux durent 2 ans. Theodore Roosevelt envoie ainsi un message fort. Il montre clairement aux yeux du monde que les États-Unis sont devenus un acteur mondial sur lequel il faut désormais compter. Theodore Roosevelt, c'est vraiment le premier président américain du XXe siècle et c'est l'Amérique sans complexe. L'Amérique blanche, anglo-saxonne, virile, qui aime bien montrer ses muscles. Quand on pense à Teddy Roosevelt, à cet homme immense, à cette espèce de géant américain, on pense toujours au chasseur, à l'éternel chasseur d'ours, chasseur de loups, chasseur de lions. Il chassait tout ce qui bougeait, d'une façon générale. La communication politique voit le jour. Et la Maison Blanche devient, sous Roosevelt, une marque, un symbole, avec un logo qu'il va mettre partout. Théodore, Teddy, est d'abord et avant tout un publicitaire. Il est à l'origine des discours politiques tels que nous les connaissons. Il a le sens exacerbé de l'image. Et il va faire de la Maison Blanche un emblème, une sorte d'écusson. Tous les courriers qui partent de la Maison Blanche sont siglé Maison Blanche, et le mot maison devient un truc très très fort à ce moment-là. C'est le point focal de l'intérêt médiatique, c'est là où ça se passe. La Maison Blanche a désormais besoin d'une pièce pour asseoir un peu plus l'image du président comme chef de la nation.
Et c'est le successeur de Roosevelt à la Maison-Blanche, Bill Taft, élu en 1909, qui va avoir l'idée de ce bureau. D'abord situé ici, il sera ensuite déplacé au bout de l'aile ouest sous le président Franklin Delano Roosevelt en 1933. On devient vraiment président quand on arrive avec ses cartons et qu'on se pose à la Maison-Blanche et puis qu'on s'installe dans le bureau ovale. Qu'on peut d'ailleurs décorer comme on le désire, hein. Chacun pense le bureau ovale un peu comme il le souhaite. Barack Obama, il va enlever un buste de Churchill. Parce que Churchill, c'est aussi celui qui a, à la tête du Royaume-Uni, été le symbole de l'écrasement des révoltes kényanes. C'est l'histoire de son père, l'histoire de sa famille. Donc il y a des petits gestes symboliques, mais qui font aussi que le président va vraiment habiter, et au sens plein du terme, ce bureau ovale et cette Maison Blanche. Nous sommes donc dans le bureau ovale. Voici le bureau ovale. C'est sûrement l'un des lieux les plus remarquables. Qu'est-ce qui vous touche le plus au sujet de cette pièce? Juste son histoire, son importance, ce qu'il s'est passé ici. J'ai justement mis quelques photos qui me plaisaient beaucoup et accroché des tableaux que je pensais être vraiment appropriés. George Washington, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Andrew Jackson, dont beaucoup comparent la campagne de Trump avec la sienne. En 1828, avec une comparaison pour des raisons évidentes. Quand un président y pénètre, un nouveau président, il reçoit, comment dirais-je, appelons ça les vibrations, les élans, les tendances, les effluves d'un passé et d'un nombre important de moments et d'instants. Le bureau ovale est le lieu stratégique du pouvoir américain. La pièce où l'avenir du pays, et parfois celui du monde, se dessine et se décide. Comme ce soir du 22 octobre 1962, au cours duquel le président John Fitzgerald Kennedy s'adresse en direct à toute la nation depuis le bureau ovale. Nous sommes alors en pleine crise des missiles de Cuba. Bonsoir mes concitoyens. Comme promis, ce gouvernement a maintenu la surveillance la plus étroite de l'accumulation des forces militaires soviétiques sur l'île de Cuba. Le monde est au bord de la guerre. L'Union soviétique du président Khrouchtchev installe des missiles nucléaires sur l'île de Cuba, au large des États-Unis. Une menace nucléaire qui provoque une escalade des tensions entre les deux superpuissances de l'époque. Dans les couloirs de la Maison-Blanche, les visages sont fermés et la tension palpable. Tout ça est un extraordinaire roman d'espionnage, de politique et de stratégie et de psychologie. Et dans ce moment-là, dans cet univers-là, c'est-à-dire dans ce bureau ovale, Kennedy fait preuve quand même de maturité, de calme, parce que ça aurait pu être la panique. La Maison-Blanche est devenue le centre du monde, mais le centre d'un monde qui peut basculer. Kennedy décide de prendre le chemin de la diplomatie. En une déclaration, le président s'oppose à ses généraux qui ne souhaitaient qu'une chose, déclencher une guerre nucléaire avec l'Union soviétique. Il assoit ainsi un peu plus son autorité sur son état-major, devient le chef suprême des armées américaines et endosse pour la première fois de son mandat le costume de président des États-Unis. D'autres présidents vont en revanche développer une véritable paranoïa dans le bureau ovale, à l'image du président Richard Nixon. Richard Nixon avait vécu comme vice-président, faut jamais l'oublier, de Eisenhower. Donc il connaissait déjà la maison et il la désirait, il la convoitait depuis toujours. Finalement, il se retrouve à la Maison-Blanche, dont il fait une forteresse, avec des gardes du corps, avec des hommes à lui. Il va l'investir à ce point qui va en faire un bunker et sa prison. Il est tellement paranoïaque qu'il va faire installer un système d'écoute, des micros. Tout est enregistré, y compris ses propres conversations. Plus de 3500 heures de conversations sont ainsi enregistrées dans le bureau ovale. Des archives qui existent encore aujourd'hui et dont la teneur en dit long sur la véritable personnalité du président. Il y a des moments où les avortements sont nécessaires. Quand vous avez un noir avec une blanche ou s'il s'agit d'un viol. Les dialogues de Nixon avec ses adjoints
Le langage qu'il utilise, c'est un langage de crapule, quoi. Il y a de l'argot, il y a des phoques, il y a des chiottes, il y a des son of a bitch, il y a du racisme. Mais aussi de l'antisémitisme. Le journal Life est totalement dominé par les Juifs. Newsweek appartient à des Juifs et est dominé par des Juifs. Le New York Times et le Washington Post sont totalement juifs. Et ce qui est fascinant, c'est que dans ce lieu où il s'enferme de plus en plus, c'est aussi dans ce lieu où il va sortir le plus loin que jamais aucun président américain n'est jamais allé. Je vous parle par téléphone depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche. Et cela doit certainement être l'appel téléphonique le plus historique jamais réalisé ici. Nous sommes le 21 juillet 1969. Et depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche, Richard Nixon s'entretient en direct par téléphone avec les astronautes de la mission Apollo 11 qui viennent tout juste de faire le premier pas sur la Lune. Un moment historique suivi en direct à la télévision par le monde entier. Pour saluer cet extraordinaire exploit, grâce à ce que vous avez accompli, les cieux font désormais partie du monde des humains. C'est assez intéressant d'un point de vue métaphorique. Vous avez un homme qui, depuis le bureau ovale, est capable de parler au-delà de l'espace, au-delà du monde où jamais personne n'est jamais allé, mais qui progressivement va être incapable de parler aux gens qui sont en dehors du bureau ovale. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est un immense honneur et un privilège d'être ici. Une prouesse technologique doublée d'une véritable mise en scène font du bureau ovale un plateau de cinéma hollywoodien. Le pouvoir de l'image associé à la Maison-Blanche devient un outil politique fort. Je vous remercie beaucoup et j'ai hâte, nous avons tous hâte, de vous revoir sur Terre. La Maison-Blanche, c'est plus qu'un décor de cinéma. La Maison-Blanche, c'est la fabrique à images. C'est le grand studio d'Hollywood où on fait des films. Bon. Mais c'est le film de la vie, c'est le film de la politique, c'est le film des décisions. On n'est pas dans la fiction, on est dans la réalité. Un homme va rapprocher définitivement Hollywood et Washington. C'est le 40e président des États-Unis, un ancien acteur, Ronald Reagan. La scène se déroule en 1987. Et le leader soviétique, Mikhail Gorbatchev, est en visite exceptionnelle à la Maison-Blanche pour négocier le démantèlement des arsenaux nucléaires des deux superpuissances de l'époque. Le bureau ovale devient alors le théâtre d'un formidable retournement de situation. Pour détendre l'atmosphère, Reagan avait offert des boutons de manchette, des cufflinks de la Maison-Blanche à Gorbatchev, qui regardait qu'il n'y avait rien à faire. Après, ils sont rentrés dans le vif du sujet. Et là, visiblement, lors des entretiens, c'est Gorbatchev qui avait dominé Reagan. Donc, il y a eu un début de panique à la Maison-Blanche. Et pour le deuxième entretien, ils avaient réfléchi de la façon suivante en disant « Reagan est un acteur ». Donc, ils lui ont concocté un scénario pour acteur, bien équilibré, bien travaillé. Ils l'ont fait répéter. Ah oui, c'est un acteur, il répète. Et le lendemain, c'est Gorbatchev qui a été déconcerté, décontenancé, parce qu'il avait face à lui un type qui était sûr de lui, qui récitait des choses qui tenaient la route. Et c'est là qu'il y a eu un changement dans l'atmosphère, où là, on a rétabli l'équilibre. Ce goût de la mise en scène restera la marque de fabrique de Ronald Reagan jusqu'à sa mort en 2004. Car l'ex-président américain a voulu, pour ses funérailles, qu'un cheval suive son cercueil avec ses bottes disposées en travers de la selle. Cette coutume du cheval sans cavalier symbolise la mort du chef de guerre. Le bureau ovale peut aussi être le témoin d'événements moins glorieux. Nous sommes en 1998 et une jeune stagiaire à la Maison-Blanche est en train de faire vaciller la présidence américaine. Pour commencer, pouvez-vous nous donner votre nom ? Avec l'affaire Lewinsky, le bureau ovale devient le lieu du mensonge et de la tromperie. L'affaire passionne toute l'Amérique et le monde entier et dévoile chaque jour son lot de révélations croustillantes
digne là encore d'un scénario hollywoodien. Le président est concentré sur son travail et sait ce que le peuple américain attend de lui. C'est une tragédie pour le pays que l'administration de la présidence ait à traverser une telle épreuve. C'est aussi tragique pour le monde qui est affecté par ce qui se passe ici. Nous avons été très clairs. Il nie ces accusations. Le président Bill Clinton est accusé d'avoir fait obstruction à la justice dans le cadre de cette affaire. Il risque purement et simplement la destitution. Il est appelé à témoigner devant le Congrès. Son intervention est filmée depuis la Maison-Blanche, et alors que le grand public attend des aveux du président, Bill Clinton surprend tout le monde. Ces rencontres ne constituent pas en des rapports sexuels, ne constituent pas des relations sexuelles. Et j'ai compris que ce terme devait être défini. Et dans un effort pour préserver la dignité du poste que j'occupe, c'est tout ce que je vais dire sur les détails de cette affaire. Il n'a pas commis d'adultère proprement parlé dans le formidable échange qu'il y a eu où il essayait d'expliquer qu'au fond, le sexe, c'était pas vraiment du sexe. Parce qu'il avait un vocabulaire très malin, il savait tourner les phrases et il a renversé littéralement la table. Monica Lewinsky a déclaré que vous avez touché sa poitrine pendant que vous étiez dans le bureau ovale. Serait-elle en train de mentir ? Ce n'est pas mon souvenir. Mon souvenir est que je n'ai pas eu de relation sexuelle avec Mme Lewinsky et je reste sur ma déclaration précédente à ce sujet. Monica Lewinsky dit que vous avez utilisé un cigare comme objet sexuel dans le bureau ovale. Mentirait-elle ? Oui, non ou mauvaise réponse ? Je reviens à mon ancienne déclaration. Ce qui est étonnant, c'est que ça soit allé jusqu'à une procédure possible de destitution. Car ça ne méritait pas ça. Mais ça voulait dire aussi que, disons, ses adversaires politiques et l'opinion publique et les médias considéraient qu'on ne peut pas faire ça comme ça à la Maison-Blanche. Il est allé trop loin. Quelques jours plus tard, le président change une nouvelle fois sa version des faits et revient sur ses déclarations, pourtant faites sous serment devant le Congrès. En effet, j'avais une relation avec Mme Lewinsky qui n'était pas appropriée. En fait, j'avais tort. Cela constitue un profond manque de jugement, un échec personnel de ma part, pour lequel je suis le seul et l'unique responsable. Les aveux de Clinton amorcent l'abandon des charges pour parjure contre le président américain. La première dame, Hillary Clinton, qui ne l'a jamais quitté pendant l'affaire, le soutient. Le couple présidentiel va d'ailleurs utiliser une nouvelle fois le bureau ovale pour se mettre en scène. Une image forte qui achève de convaincre l'opinion publique de pardonner au président son mensonge et ses infidélités. L'Américain moyen peut considérer que ce qui se passe entre cette stagiaire et ce président, c'est au fond ce qui pourrait se passer dans une ville moyenne, entre un patron et sa secrétaire, entre un mari qui trompe sa femme avec peut-être même la baby-sitter de service. Les Américains peut-être arrivent à distinguer les deux corps du président, un corps biologique qui peut faire des erreurs et un corps symbolique qui est le corps présidentiel qui peut continuer à gouverner dans le bureau ovale où pourtant il a commis cet adultère avec cette jeune stagiaire. Le bureau ovale peut aussi être un lieu d'un autre genre de rencontre, notamment avec le monde du show business. Un point de passage pour de nombreux artistes, comme ici avec le King Elvis, aux côtés de Richard Nixon. Une visite qui met les services secrets sur les dents, car Elvis est armé d'un revolver et ne veut pas s'en séparer. Il y a eu aussi Michael Jackson, avec Ronald Reagan. Bono, le chanteur de U2, qui est devenu un proche de Barack Obama. Ou encore Kim Kardashian et Kanye West, aux côtés de Donald Trump. Kanye et moi sommes amis depuis longtemps. Ce bureau derrière lequel Donald Trump est assis ce jour-là est un des symboles du bureau ovale. C'est le Resolute Desk. Véritable fierté nationale, plusieurs répliques existent dans le pays, dont une au musée Kennedy. L'histoire de ce célèbre bureau est étonnante. Et elle démarre en Angleterre au 19e siècle, avec un navire de sa très gracieuse majesté, la reine Victoria.
L'histoire de ce navire commence avec une exploration de l'Arctique en 1854. C'est au cours de ce voyage que le bateau se retrouve coincé dans la glace, puis abandonné par son équipage. 2 ans plus tard, c'est un baleinier américain qui le retrouve. Le navire est finalement renvoyé en Grande-Bretagne à son propriétaire, la reine Victoria. La reine Victoria accueille en personne le navire à son retour. Elle imagine un cadeau original pour remercier les Américains. Un présent qui viendrait sceller et consacrer l'amitié entre les deux nations. La reine Victoria fait fabriquer le fameux bureau à partir du bois du navire qui a été démantelé. Il s'agit d'un bureau d'associé, c'est-à-dire qu'il a des ouvertures des deux côtés. Et en 1880, ce bureau est offert à la Maison Blanche. Et il devient le bureau officiel du président américain. Depuis le 19e siècle, la plupart des présidents américains ont utilisé le Resolute Desk dans l'exercice de leurs fonctions. Aujourd'hui, il est définitivement associé au décor du bureau ovale. Ce bureau est un symbole de la présidence. Il est souvent associé au président John Fitzgerald Kennedy à cause de ces images légendaires de son fils John Jr. sortant la tête de dessous le bureau alors que son père travaille. Depuis Ronald Reagan, il existe une tradition entre les présidents qui a un lien direct avec ce bureau. Le président sortant laisse un message personnel au président fraîchement élu. Une tradition captée par les caméras le 20 janvier 2017, lorsque Barack Obama glisse à son tour une lettre dans ce tiroir à l'intention de son successeur, le président Donald Trump. Pour un président américain, vivre à la Maison-Blanche, c'est un peu comme vivre au bureau. Alors, tout doit être fait et organisé pour que lui, mais aussi toute sa famille, femmes et enfants, se sentent comme à la maison. Voilà pourquoi les présidents et leurs épouses transforment à chaque élection la physionomie des lieux et la décoration intérieure de leur nouvelle maison. Vous allez voir que le rôle de First Lady, la première dame, a permis de révéler au grand public des femmes qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire de la société américaine. D'Eleanor Roosevelt jusqu'à Melania Trump, mais aussi Michelle Obama ou Jackie Kennedy, évidemment, elles sont nombreuses, chacune dans un style bien différent, à avoir influencé l'histoire et la mémoire de la Maison-Blanche. Au cœur de l'aile est de la Maison-Blanche se trouvent les bureaux de la Première Dame des États-Unis. Cette partie, construite en 1902, est à l'époque une entrée dérobée pour les invités du président. Mais depuis 1977, Rosalynn Carter, épouse du nouveau président américain Jimmy Carter, décide de faire de cette aile est l'aile de la Première Dame. C'est ici qu'elle installe ses bureaux et sa vingtaine de collaborateurs. La First Lady américaine, elle a un statut reconnu et en même temps, le rôle reste ambigu. Elle n'est pas élue, son mari ne peut pas la renvoyer. Il ne faut pas qu'elle ait l'air de faire de la politique et pourtant elle fait éminemment de la politique. Comme en ces temps troublés où l'Amérique et le monde entier est frappé par le coronavirus. C'est alors la First Lady, Melania Trump, qui se charge de faire passer un message aux Américains et plus particulièrement à ceux qui se retrouvent en première ligne, les soignants. À tout notre personnel américain et intervenant sur le front, au nom d'une nation reconnaissante, merci. C'est grâce à vous que le peuple américain reçoit les soins et tous les traitements dont il a besoin. Les premières dames sont en quelque sorte des pionnières. Elles incarnent les changements à venir. Elles sont également une sorte d'exemple de la place des femmes dans notre société, des modèles. Elles ont la possibilité de se faire entendre parce qu'elles occupent une place incroyablement puissante. Car bien que non élue, à la minute où le président est assermenté, la conjointe du président a une position incomparable. Si la première dame est connue pour être le bras social et humanitaire du président des États-Unis, elle incarne aussi le glamour à l'américaine.
Et aujourd'hui, celui qui habille la première dame, Melania Trump, est un Français. Censé roi de naissance, Hervé Pierre est installé aux États-Unis depuis 30 ans, où il a successivement été directeur de création chez Balmain, puis chez Caroline Herrera. Alors la robe que je suis en train de dessiner, c'est la robe qu'a portée la première dame le jour de l'investiture. C'est une robe qui a été faite en 10 jours. Il a fallu aller très vite. Le plus gros challenge, en fait, c'était de créer une robe qui allait faire partie de l'histoire des États-Unis, l'histoire des premières dames. J'avais carte blanche. Et si vous voulez, j'avais des éléments. Elle m'a donné des mots-clés. Elle voulait une ligne simple. Elle voulait quelque chose de off the shoulder, donc qui dégageait les épaules. Quelque chose de sexy sans trop l'être. J'ai essayé de trouver quelque chose qui allait correspondre à son esprit. Melania Trump n'est pas la première des First Lady à être habillée par Hervé Pierre. En 1997, le couturier collabore à la création du manteau d'Hillary Clinton pour l'investiture de son mari Bill Clinton, alors élu pour la seconde fois président des États-Unis. Puis en 2006, il crée une robe pour une autre First Lady, Laura Bush. La femme de George Walker Bush a rendez-vous ce jour-là avec Elizabeth II, la reine d'Angleterre, à Buckingham Palace. En 2014, Hervé Pierre se charge de créer la robe de Michelle Obama à l'occasion d'un dîner d'État organisé à la Maison-Blanche lors de la visite du président de la République française, François Hollande. La robe de Mrs. Obama, c'était, je me souviens, une robe en faille comme ça, bleue. C'était assez beau, c'était une très très jolie. C'était un bleu, j'appelais ça pompeusement un bleu de France. Le devant était un peu comme un fourreau et elle avait tout le volume qui était dans le dos. Ce qui fait que quand elle est sortie de la Maison Blanche, on voit la robe qui prend le volume, c'est très 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 beau. Et le haut, c'était, je me souviens, un haut en dentelle. Hein. Ça faisait comme un smoke, ça faisait un peu... Il y avait une base en dessous en bleu. Et par-dessus, il y avait toute une dentelle comme ça qui était rebrodée. Il n'y avait pas de jupon, pas de doublure. C'était quelque chose de très léger, qui volait bien, qui bougeait très bien. Résumer les premières dames à leur tenue vestimentaire ne serait pas rendre hommage à certaines d'entre elles qui ont joué un rôle important dans l'histoire américaine. Et tout commence avec la quatrième First Lady de l'histoire des États-Unis, Dolley Madison. Nous sommes alors en 1812. Dolley Madison, donc, qui est First Lady au début du 19e siècle, était une très belle femme. Une femme vraiment très à la mode, très charmante. On sait notamment qu'elle avait mis la plume d'autruche à la mode à Washington et que les Américaines étaient en train de se caler, si je puis dire, sur la mode européenne à travers l'exemple de Dolley Madison. Bref, on pourrait penser que c'est simplement une femme un peu superficielle. Eh bien, pas du tout. Elle était très active politiquement, pas du tout une potiche qui organisait les salons, les discussions, etc., avec beaucoup de passion même pour promouvoir la politique de son mari, James Madison. Il y avait entre un lien d'amour vraiment très, très fort. Cette posture politique et passionnée, Dolley Madison va pleinement l'assumer en 1814, en pleine guerre américano-britannique. Une guerre commencée 2 ans plus tôt par l'Empire de Sa Majesté. Quand se déroulait ce qu'on a appelé aux États-Unis la deuxième guerre d'indépendance, puisque les Anglais sont revenus sur le territoire américain, ils ont attaqué, brûlé, pillé, ça a été quelque chose de très violent. Les Anglais s'apprêtent alors à marcher sur Washington. Et tandis que le président James Madison quitte la capitale américaine, il confie à sa femme la Maison Blanche. Il va laisser sur place celle en qui il a le plus confiance, c'est sa femme, à laquelle il donne des instructions très précises pour que notamment tous les papiers de famille, qui à l'époque se confondent largement avec les documents d'État, puissent être mis à l'abri et ne tombent pas aux mains des Britanniques. Quand les troupes britanniques entrent enfin dans Washington le 24 août, il ne reste plus qu'une chose à faire pour Dolley Madison, s'enfuir. Quand elle a réalisé que le portrait de George Washington, le premier président des États-Unis, était dans la Maison Blanche, elle a exigé de s'arrêter, de redescendre, qu'on décroche le portrait.
Sauf que ce portrait, il a été vissé, le grand cadre doré a été vissé dans la boiserie, et qu'au moment où on veut l'enlever, mais on se rend compte que ça n'est pas possible, eh bien qu'à cela ne tienne, avec des pieds de biche, on va faire sauter le cadre, on va l'arracher littéralement, on va descendre le châssis, retirer le châssis, rouler la toile. C'est comme ça que le portrait de Washington sera sauvé, et d'une certaine manière, c'est comme ça que l'honneur de la Maison Blanche sera sauf. La Maison Blanche et tous les bâtiments officiels de Washington sont incendiés par les Britanniques cette nuit-là. Ce sauvetage du portrait de George Washington, le premier président des États-Unis, fait aujourd'hui partie de la légende de la Maison Blanche. Près de 200 ans plus tard, c'est au tour du portrait de George W. Bush d'être dévoilé. Tradition oblige, cette présentation se fait après son mandat présidentiel. Nous sommes le 31 mai 2012, et le 43e président américain va s'amuser à rappeler la légende de Dolley Madison. Lorsque les Britanniques ont incendié la Maison Blanche, comme Fred l'a mentionné, en 1814, Dolley Madison a sauvé ce portrait du premier George W. Maintenant, Michel, si jamais il se passe quelque chose, voici votre homme. Lorsqu'elle s'est levée pour parler, Madame Obama a dit qu'elle le ferait. Absolument. Elle a promis qu'elle protégerait ce portrait. Si Dolley Madison a marqué l'histoire des premières dames de la Maison Blanche, il faut avouer que celles qui lui ont succédé au 19e siècle ont particulièrement brillé par leur discrétion, voire leur absence. Pour la plupart d'entre elles, on les connaît à peine, on les voit très peu. Elles ne sont pas très heureuses. Il y en a même franchement qui sont très malheureuses, qui ne sortent jamais de leurs appartements. Et au XXe siècle, plus près de nous, on voit vraiment que l'accès des femmes aux différentes professions, leur accès à la parole publique, etc., tout cela est reflété par le rôle de la First Lady. 1915, nouveau siècle. La Première Guerre mondiale fait rage en Europe. Et le 28e président américain, Woodrow Wilson, hésite à faire entrer les États-Unis dans le conflit. C'est alors qu'il fait une rencontre à la Maison Blanche qui va changer sa vie et le cours de l'histoire. Le président Wilson, qui commence à être très fatigué, qui a du mal à s'impliquer dans un conflit qui, pour lui, est un conflit d'un autre âge. Ce président Wilson va rencontrer au cours d'une soirée à la Maison Blanche une veuve épanouie qui prétend qu'elle descend de Pocahontas, qui est une espèce de personnalité assez flamboyante. Cette femme s'appelle Edith Galt. Et ce soir, elle est à la Maison Blanche pour rendre visite à sa cousine, une proche du président Wilson. Elle sortait de l'ascenseur. Le président traversait le couloir, ils se sont quasiment cognés l'un contre l'autre et ce fut un coup de foudre. Le président invite aussitôt l'inconnu à prendre un thé en sa compagnie dans le salon vermeil de la Maison Blanche. La conversation se poursuit tard dans la nuit. C'est le début d'une incroyable passion. Les deux amants s'échangent des centaines de lettres au cours de l'année 1915. Je retombe continuellement amoureux de vous. Ou est-ce moi qui suis juste un peu plus amoureux tous les jours? Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes à moi maintenant et pour toujours. Bonne nuit, mon bel amour. Ils s'écrivaient tous les jours avant leur mariage et il lui confiait des secrets d'État. Il prenait son avis en toutes choses. On a rapporté qu'elle aurait dit « Mon amour, j'adore quand tu me tiens la main d'un côté et que de l'autre main, tu feuillettes les pages de l'histoire. » Ils vont se marier et ça devient un couple présidentiel très fort, un moment essentiel. C'est Edith qui donne au président Wilson toute la confiance nécessaire pour engager son pays dans la Première Guerre mondiale. Un choix crucial pour le monde de l'époque.
En fait, cette femme est un véritable gouvernant de l'ombre. Elle est une sorte de premier ministre de la main gauche qui va acquérir d'autant plus d'importance que Wilson est très, très fatigué. Vous savez qu'on dit qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, il n'avait que quelques heures, et encore certains disent même quelques quarts d'heure de lucidité par jour. Au cours de l'année 1919, le président Wilson est victime de plusieurs attaques cérébrales. Des attaques qui vont lourdement l'handicaper jusqu'à la fin de son mandat. Pendant les deux dernières années passées à la Maison-Blanche, il peut compter sur sa plus fidèle amie. Et donc, qui gouverne à la place du président, celle qui veut absolument cacher la maladie présidentielle au monde entier, Edith Wilson, est devenue plus que la première dame, elle est devenue la première présidente. Pourtant, Edith Wilson n'est pas une avant-gardiste. Preuve en est, elle s'est toujours moquée de celles qu'on appelait les suffragettes, ces femmes qui venaient réclamer régulièrement devant les grilles de la Maison-Blanche plus de droits pour les Américaines, et notamment le droit de vote. Un droit qu'elles obtiendront en 1919, mais sans l'aide de la Première Dame. Ce n'est que quelques années plus tard qu'une femme de président va véritablement incarner la femme moderne du XXe siècle. Bonsoir. Je vous parle ce soir tandis que nous sommes à un moment crucial de notre histoire. Nous, le peuple, sommes déjà prêts à passer à l'action. Depuis des mois maintenant, savoir que quelque chose de ce genre pourrait se produire planait au-dessus de nos têtes. Nous savons à quoi nous devons faire face et nous savons que nous sommes prêts à y faire face. Cette voix que vous entendez est celle d'Eleanor Roosevelt, l'épouse du 32e président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt. Nous sommes le 7 décembre 1941. Le jour de l'attaque de la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï, une base navale que les forces japonaises viennent tout juste de bombarder. L'émission de radio hebdomadaire de la Première Dame a lieu depuis Washington. Ce jour-là, elle est donc la première, avant son mari, à prendre la parole pour prévenir les Américains. Un discours pour préparer l'Amérique à la guerre. Eleanor Roosevelt s'adresse directement à la nation et plus particulièrement aux femmes. Je souhaiterais dire un mot ce soir à toutes les femmes de notre pays. Beaucoup d'entre vous ont des fils qui ont été appelés sous les drapeaux et qui vont bientôt engager le combat. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir peur. Mais cependant, j'espère que l'assurance de notre victoire vous rendra insensible à cette peur. Nous sommes le peuple libre et invincible des États-Unis d'Amérique. Rien ne prédestinait cette petite fille timide et pleine de complexes à jouer un rôle si important dans l'un des plus grands conflits que l'humanité ait jamais connu. C'était une jeune fille de la très haute société, cousine de son futur mari Franklin Roosevelt, destinée à être une épouse soumise, une charmante hôtesse et la mère de nombreux enfants. Et ce qui a transformé sa vie, c'est la maladie de Franklin Roosevelt, la poliomyélite. Et il a fait toute sa carrière politique en dissimulant à quel point il était quand même diminué physiquement. Invalide de ses deux jambes jusqu'à la fin de sa vie, le président Franklin est diminué. Eleanor prend son envol et devient alors la vraie femme forte de la Maison-Blanche et du pays. C'est vraiment une coprésidence, même si les décisions politiques appartiennent sans aucun doute à Franklin Roosevelt. Ce qu'il y a chez Eleanor Roosevelt qu'il n'y avait pas chez toutes ses devancières, c'est une conscience politique. Cette femme est une féministe convaincue. Elle est même un peu plus que féministe. On sait qu'elle aimait les femmes à tous les sens du terme. Il n'est pour s'en convaincre que de lire sa correspondance avec la journaliste Lorena Hickok, qui est assez extraordinaire et même assez édifiante. Il y a un amour très fort entre ces deux femmes. Lorena Hickok est une journaliste notoirement homosexuelle avec laquelle Eleanor Roosevelt partage secrètement sa vie entre 1933 et 1939. La journaliste couche souvent à la Maison-Blanche et les deux femmes échangent plus de 2000 lettres passionnées, des lettres qui témoignent de leur amour réciproque. Depuis Eleanor Roosevelt, les First Lady ont toutes tenté d'exister aux côtés de leur mari
en se singularisant. Femmes d'influence, elles agissent sur la politique du pays. Et l'histoire montre qu'à plusieurs reprises, certaines ont donc fait bien plus que soutenir leur président de mari. Finalement, en y réfléchissant, je me demande si l'histoire de la Maison Blanche n'est pas d'abord l'histoire des First Ladies. Est-ce que ces femmes de caractère assez extraordinaires, que ce soit Edith Wilson, que ce soit Eleanor Roosevelt, est-ce qu'elles n'ont pas d'une certaine manière imprégné définitivement les lieux? Est-ce qu'elles n'y ont pas laissé leur marque? Une femme marque considérablement de son passage la Maison Blanche. Jackie Kennedy, l'épouse du président John Fitzgerald Kennedy, c'est elle qui rénove entièrement le bâtiment et en fait la vitrine du savoir-faire américain, mais avec aussi l'aide d'un décorateur français. Jackie Kennedy est la First Lady qui fait de cette demeure quelque chose dont les Américains sont fiers. « Je veux faire de la Maison Blanche la première maison de ce pays », disait-elle. Le 14 février 1962, les Américains s'apprêtent à découvrir à la télévision la Maison Blanche comme ils ne l'ont jamais vue, dans un show diffusé à une heure de grande écoute. Et celle qui assure la visite face aux caméras n'est autre que la première dame elle-même, Jackie Kennedy, la femme du 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Madame Kennedy, chaque première dame et chaque administration depuis l'époque du président Madison a apporté des changements plus ou moins importants pour la Maison Blanche. Avant d'examiner les changements que vous avez apportés, quelle était votre idée de départ ? Je n'en ai vraiment pas, car je pense que cette maison va toujours grandir et le doit. Il me semble que chaque fois que nous sommes venus ici, nous ne trouvions presque rien du passé dans la maison. Elle est arrivée à la Maison Blanche, qui était à ce moment-là une vieille maison, fatiguée, défraîchie, avec des présidences successives où le bon goût, disons, n'avait pas été la qualité première. Elle a été horrifiée quand elle a emménagé et a vu ce que Mme Eisenhower avait fait. Car Mme Eisenhower aimait beaucoup le rose. En fait, tout ça était quand même pas très représentatif de ce que Jackie Kennedy voyait comme la maison de la démocratie américaine. Quelle est l'utilité de la salle de réception diplomatique ? Eh bien, c'est la pièce que les gens voient en premier lorsqu'ils viennent à la Maison Blanche. Quand une personne vient pour un dîner d'État, il la traverse, la ressent, et de ce fait, cela devrait être une jolie pièce. Elle est habitée par l'idée que en transformant la Maison Blanche, en la modernisant, en la réhabillant, en la rénovant, elle peut peut-être aussi apporter un peu plus de raffinement, de culture et de civilisation et d'élégance à un pays qui, d'une certaine manière, en manque. Quelques mois après le début de la présidence de son mari, Jackie Kennedy entreprend une véritable restauration de l'intérieur de la Maison Blanche. Elle n'aimait pas le mot décoré. Elle ne considérait pas cela comme une décoration. Elle le considérait comme une restauration. En fait, elle a trouvé le mot décoré offensant et elle avait raison. Madame Kennedy voulait vraiment qu'on se souvienne d'elle et qu'elle soit reconnue pour sa connaissance de l'histoire. Alors, pour cette grande restauration, la première dame se plonge dans l'histoire de la Maison Blanche. Jackie procède à un véritable inventaire des meubles et des objets qui ont fait son histoire. Et la première dame fait des découvertes étonnantes, comme par exemple ses peintures du célèbre peintre français, Paul Cézanne. Elle a trouvé beaucoup de choses dans les greniers de la Maison Blanche. Des vases, des lampes, tout un tas d'objets qui avaient été rangés après la rénovation de Truman. Nous avons d'ailleurs de merveilleuses photos d'elle sortant des réserves avec des objets dans les bras. La première dame fait appel à la maison Janssen, un cabinet de décoration d'intérieur français, connu pour ses collaborations avec la famille royale britannique. Son directeur s'appelle Stéphane Boudin et la collaboration avec Jackie Kennedy se fait tout naturellement. Ils se sont vraiment mis à transformer, à restaurer et à conserver pour la postérité ce à quoi la Maison Blanche devait ressembler. Ils ont restauré la pièce rouge dans un style empire américain.
Ensuite, ils se sont mis à faire l'une des restaurations les plus importantes, celle du Grand Salon, connue sous le nom de la pièce bleue. Madame Kennedy, allons voir la prochaine pièce, la chambre bleue. C'est exact, par ici. La pièce bleue de la Maison Blanche est connue pour son style empire et son mobilier français. Un mobilier acquis par le président James Monroe auprès d'un célèbre ébéniste français du 19e siècle, Pierre-Antoine Bélanger. Jackie Kennedy sait qu'il lui faut de l'argent pour mener à bien ses travaux. Alors, elle fait jouer ses réseaux et s'adresse aux riches donateurs et collectionneurs américains. Une femme joue alors un rôle important à ses côtés. Il s'agit de Bunny Mellon, une milliardaire américaine. Jackie Kennedy a une fascination pour cette femme parce que Jackie Kennedy vient d'un milieu très favorisé, mais une fortune fragile. Son père, Jack Bouvier, était un grand joueur et ses enfants n'étaient jamais sûrs au fond de ce qui allait se passer le lendemain. Bunny Mellon, c'était de la fortune bien solide. Au-delà d'être l'une des plus grosses fortunes américaines, Bunny Mellon est passionnée par l'horticulture. Elle conseille alors Jackie pour la décoration florale de la Maison Blanche et redessine intégralement les jardins de la résidence présidentielle. Les jardins ont été tracés avec ces lignes qui sont assez typiques des jardins à la française, mais en y apportant des plans américains venant de tout le pays. Et c'est à cette époque-là que donc Jackie et Bunny ont créé la roseraie qui est attenante au bureau ovale. Si pour les jardins comme pour l'intérieur de la Maison Blanche, la première dame puise son inspiration dans le bon goût à la française, Jackie reste cependant profondément américaine. Pierre Cardin, qui était très proche du couple Kennedy dans les années 1960, au moment de la présidence, m'a raconté comment, le dimanche soir, on avait un plateau télé dans le petit appartement de la résidence à la Maison Blanche et où tout le monde regardait le show habituel à la télévision comme une famille tout à fait normale. Et puis, disait Pierre Cardin, trois portes plus loin, il y avait les grands appartements d'État que Jackie Kennedy était en train de faire restaurer. Il y avait un contraste assez saisissant entre la modernité d'un couple qui voulait vivre quasiment comme n'importe quelle famille américaine et puis cette espèce de mégalomanie qui, chez Jackie Kennedy, poussait constamment vers le plus grand, le plus beau et le plus fastueux. Sous l'impulsion de Jackie Kennedy, la Maison Blanche se transforme en un véritable palais royal, un temple de l'esthétisme et du bon goût. Toute la haute société américaine s'y presse et les grandes figures internationales veulent aussi y être vues aux côtés du couple le plus glamour de l'époque. Comme ici, Grâce de Monaco et le prince Rainier, ou encore là, avec Pablo Casals, le célèbre violoncelliste. Il y a eu des soirées, des dîners extraordinaires. Il y a eu une élégance, un raffinement. On possède encore tous les menus, toutes les listes des invités de l'époque Kennedy. Qui démontre à quel point Jackie, en particulier, avait fait de ce lieu quelque chose de raffiné, d'élégant, sophistiqué. Malraux qui vient, tombe sous le charme de Jackie. Et André Malraux n'est pas le seul à être tombé sous le charme de la First Lady. En 1961, le couple Kennedy est invité par la reine d'Angleterre. Et cette fois, ce sont tous les sujets de Sa Majesté qui tombent sous le charme. La foule se précipite pour jeter un coup d'œil à Monsieur et Madame Kennedy à leur arrivée pour un dîner privé au palais de Buckingham avec la reine Elizabeth et le prince Philippe. Cette dimension de famille royale qui s'attache à la dynastie des Kennedy, elle est venue peu à peu. Vous savez, il y avait quelque chose de magnétique chez Jackie Kennedy. Quand elle arrivait, les objectifs des caméras la suivaient comme si elle les avait aimantés, littéralement. Ça, c'était le glamour, la fascination. Ça n'était pas encore le grand souffle de l'histoire. Dallas, 22 octobre 1963. Le président Kennedy est assassiné alors qu'il est en visite dans la ville texane.
Une tragédie qui fait définitivement entrer le nom des Kennedy dans la légende et fait de la famille une dynastie. Jackie Kennedy va garder le tailleur rose qu'elle portait durant l'assassinat. Elle ne s'est pas changée. Elle est arrivée à Washington le soir même en gardant ce tailleur taché. Et c'est quelque chose, ça c'est un vrai message. Elle a voulu faire voir au monde que voilà ce qui lui était arrivé en tant que femme. C'est là où on se rend compte que le vêtement a un vrai pouvoir. Même dans les tragédies, là, certainement, c'était quelque chose d'une violence extrême de faire voir un tailleur taché du sang présidentiel. Malgré la violence de cet assassinat, la première dame garde tout son sang-froid. Très vite, elle reprend le dessus et organise les funérailles de son défunt mari avec une idée bien précise. Le président John Fitzgerald Kennedy revient pour la dernière fois à la Maison-Blanche. Jackie Kennedy était de retour de Dallas et elle a demandé à sa secrétaire, Mary Gallagher, d'appeler la conservatrice pour lui dire « Nous voulons que ces funérailles ressemblent à celles d'Abraham Lincoln ». Abraham Lincoln était le président préféré de Kennedy. Il a été tué environ 100 ans plus tôt et il a eu cet enterrement grandiose avec ce cheval noir sans cavalier. Dans la salle de bal reconvertie pour accueillir le corps, il y avait du tissu noir suspendu au-dessus des lustres. C'était une scène très étudiée. Madame Kennedy suit derrière le cercueil, avec elle d'autres membres de la famille et quelques conseillers de la Maison-Blanche. Le couple Kennedy est resté à peine 3 ans à la Maison-Blanche. Et pourtant, ce sont eux qui ont marqué ce lieu bien plus que leurs prédécesseurs. Jackie lui a redonné tout son lustre, en faisant aussi de cette maison le cœur de l'Amérique, à l'image de la famille idéale aux valeurs traditionnelles. Des valeurs qui s'incarnent notamment au travers des célébrations de Noël, redevenues sous les Kennedy une fête incontournable dans tous les foyers américains et un passage obligé pour chaque président et sa famille. Ces coutumes commencent avec Jackie Kennedy et l'arbre de Noël de la Maison-Blanche. C'est une vraie compétition nationale. L'arbre doit être grand, parfaitement symétrique, et surtout, il doit supporter toutes les décorations. Le plus compliqué, c'est qu'il doit aussi passer sous les portes du portique nord, puis dans la pièce bleue. Noël est toujours au cœur des célébrations de la Maison-Blanche. Et la première dame des États-Unis, Melania Trump, continue de perpétuer cette tradition avec un certain goût pour la mise en scène. Ce qui est bien avec Melania Trump, c'est qu'elle perpétue cette tradition de Noël en mettant à l'honneur tout le pays et tous les États à travers ce sapin dans la pièce bleue. Elle est passionnée d'histoire, elle est très soucieuse de ce que les autres premières dames ont fait avant elle à la Maison-Blanche. Elle poursuit les traditions. Lorsque chaque président investit la Maison-Blanche, il le fait avec femme et enfant, et c'est ensemble qu'ils y vivent sous les regards de tous les Américains et du monde entier. Comme une télé-réalité qui a démarré depuis des années, chaque famille qui se succède se met en scène et offre l'image de la famille américaine parfaite. Alors, comme dans tous les foyers des États-Unis, à la Maison-Blanche, on s'aime, on se marie, on se quitte, mais on se trompe parfois aussi. Si les First Lady et les présidents américains ont marqué de leur empreinte la Maison-Blanche, la transformant à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, les enfants des familles présidentielles ont aussi apporté leur pierre à l'édifice. Ce sont eux qui, véritablement, y vivent et y grandissent. La Maison-Blanche
devient ainsi leur foyer. La Maison Blanche, c'est une maison. Et dans une maison, il y a une famille qui vit. Et c'est extrêmement important, c'est pas qu'un lieu de travail, c'est le lieu où une famille va s'installer. Et pour les Américains, pour être rassemblés, il faut que cette famille, elle leur ressemble. Et les enfants ont une fonction, bien sûr, qui est aussi de montrer que le président est aussi un bon père de famille et qu'il gère son pays comme il gère sa famille. Ça, c'est extrêmement important pour l'imagerie de la Maison Blanche et de cette famille présidentielle qu'il occupe. Le premier président qui a mis en scène sa vie de famille n'est autre que John Fitzgerald Kennedy. Tout le monde se souvient de ces photos de John et Caroline insouciants et s'amusant dans le bureau ovale à l'automne 1962. Les enfants des présidents investissent tellement la Maison Blanche qu'ils en font leur terrain de jeu. Comme c'est le cas avec Amy Carter, la fille du président Jimmy Carter, ici sur ses rollers en août 1979. La résidence présidentielle devient aussi un endroit unique où inviter ses amis, comme pour les enfants de Gerald Ford. Gerald, Betty Ford et leurs quatre enfants, une famille que personne n'attendait suite à l'affaire du Watergate et la démission de Richard Nixon. Une famille qui n'avait pas forcément les codes de la Maison Blanche. L'histoire des Ford est incroyable, parce qu'ils n'avaient jamais imaginé emménager à la Maison Blanche. Nixon a démissionné soudainement, et ils sont passés de leur maison de classe moyenne à Alexandria, à la Maison Blanche. Ça a été le président et la famille présidentielle les plus terre-à-terre que nous ayons jamais eus. Les enfants ne savaient pas comment faire. Ils étaient au lycée la veille et ils n'avaient pas l'habitude d'être surveillés par les services secrets. Un jour, par exemple, Steve Ford a sans le demander invité son meilleur ami à écouter Stairway to Heaven sur le toit de la Maison Blanche. Et la musique va de nouveau résonner à la Maison Blanche à l'occasion du bal de fin d'année de Susan Ford, la petite dernière de la fratrie. Tous les Américains se souviennent de leur bal de promo. Lorsque Susan Ford organise le sien à la Maison Blanche, sa mère, Madame Ford, est à l'étranger. C'est alors la grande sœur de Susan qui a été le chaperon de cette soirée. Une soirée qui est un succès, qui a même été filmée et mise à la une des magazines de l'époque. Si la plupart des enfants de président ont grandi à l'abri des attaques extérieures, certains se sont retrouvés malgré eux au cœur de querelles politiques et médiatiques. C'est ce qui est arrivé à Margaret Truman, la fille du président Harry Truman. Sa fille, elle rêve d'être chanteuse, d'être cantatrice, elle n'a pas beaucoup de talent, mais son père, un peu parce que c'est le président des États-Unis, arrive à la faire chanter dans des lieux un peu prestigieux. Et puis un jour, il y a un journaliste du Washington Post, un éditorialiste, qui écrit un article où il descend véritablement la fille du président Margaret. Il considère qu'elle chante comme une crécelle, qu'elle est catastrophique, etc. Le père de famille lit l'article et lui répond de manière extrêmement véhémente, en disant « si je vous croise dans la rue, je vais vous mettre un coup de poing dans le nez, vous allez saigner du nez, etc. » Et c'est un coup d'éclat que les Américains vont adorer. Tout à coup, leur président va montrer son vrai visage, qui est celui d'un père protecteur, d'un père aussi viril, capable de défendre l'honneur de sa fille. Les enfants ne sont pas les seuls à avoir animé la Maison Blanche. Les animaux ont aussi animé le bâtiment. Et la liste peut prêter à sourire. Comme ce troupeau de moutons sous les fenêtres du président Wilson. Pauline Wayne, la vache du président Bill Taft, que le personnel de la résidence traite régulièrement. Ou encore Rebecca, le raton laveur du président Coolidge et de sa femme Grace. Sans oublier Ellie Yale, le perroquet du fils de Teddy Roosevelt. Et enfin, cet opossum, devenu le favori du président Benjamin Harrison. Plus les années passent, et plus les présidents américains et leurs familles se sont tournés vers des animaux moins exotiques. Voici notre dernier né, Mrs. Beasley. Car l'animal qui est devenu indispensable aujourd'hui au président américain, c'est le chien.
Les animaux de compagnie humanisent la présidence. Les Américains aiment leurs animaux de compagnie, que ce soit un chat, un chien ou autre chose. Quand nous voyons un président avec un animal, cela nous relie à lui. Herbert Hoover, par exemple, n'était pas en tête des sondages. Alors ils ont fait des milliers d'affiches de lui et de son berger allemand, et d'un seul coup, il est passé en tête et a même gagné la présidence. Les Obama aussi ont leur propre chien. Et pourtant, rien ne prédestinait la famille à en avoir un. Car Malia et Sacha, les filles du couple, sont toutes deux allergiques. Il leur a donc fallu trouver une solution et surtout une race de chiens spécifique pour s'inscrire dans cet héritage présidentiel canin. Est-ce qu'il dort avec vous ? Non, pas dans mon lit. Le chien Beau devient, comme tous ses prédécesseurs, une star pour tous les Américains. Une star qui doit trouver sa place au sein de cette famille Obama, partie pour s'installer durablement à la Maison-Blanche. Le 20 janvier 2009, la famille Obama pose enfin ses bagages dans les appartements de la résidence présidentielle. Ce jour-là, le président Obama raconte, avec ses propres mots, les responsabilités qui lui incombent à lui et à sa famille. La Maison Blanche est une maison du peuple. Michel, les filles et moi-même comprenons que nous sommes ici pour un temps limité. Nous sommes ici parce que nous avons ce privilège de servir le peuple américain, de veiller sur lui et de s'occuper de ce qui le préoccupe. Barack Obama a besoin d'investir la Maison Blanche parce que pour beaucoup d'Américains, il n'est pas légitime en tant que président. Beaucoup de ses adversaires, parce que notamment il est noir, parce qu'il est trop jeune, parce qu'il n'a pas assez d'expérience, considère que c'est un président illégitime. Barack Obama ne veut pas être seulement considéré comme le premier président noir. Il veut être le président de tous les Américains. Et ça commence par sa relation particulière avec le personnel de la Maison-Blanche. Il fait rentrer de la spontanéité à l'intérieur de la Maison-Blanche et en particulier le fait de checker avec tous les employés de la Maison-Blanche. Alors, du vice-président Joe Biden jusqu'à la personne qui fait le ménage, Barack Obama, le matin, check avec son personnel. Le personnel de la Maison-Blanche est celui qui fait vivre de l'intérieur la résidence présidentielle américaine. Des fleuristes aux cuisiniers, en passant par les calligraphes jusqu'à l'horloger, ils sont plus de 90 employés à travailler sous les ordres du usher, l'huissier en chef de la Maison-Blanche. Ils incarnent l'excellence à l'américaine. Je pense que la Maison-Blanche reflète bien ce qu'est la démocratie américaine voulue par les quatre pères fondateurs. Ici, on respecte d'abord l'institution avant qui que ce soit, même le président lui-même. Voilà pourquoi le personnel de la résidence est unique. Peu importe qui occupe le bureau ovale. Il se soucie d'abord de servir le président et la première dame. Donc, à certains égards, la Maison-Blanche incarne l'idéal de notre pays. Un Français connaît bien la Maison-Blanche et son fonctionnement interne. Habitué des appartements privés, il est celui qui, pendant 27 ans, a fait plaisir à chaque membre de la famille et avec qui personne ne souhaitait se fâcher. De Jimmy Carter à Ronald Reagan, en passant par George Bush, père et fils, et Bill Clinton, le chef pâtissier français Roland Meynier a servi 5 présidents. C'est dans cette petite maison au milieu des bois, à quelques dizaines de kilomètres de Washington, que Roland Meynier coule aujourd'hui une retraite paisible. L'ancien chef pâtissier de la Maison-Blanche a débuté sa carrière au service des présidents américains quand Rosalynn Carter, l'épouse du président Carter, lui demande de venir travailler pour elle. Nous sommes alors en 1979. Elle voulait totalement changer le système de pâtisserie à la Maison-Blanche. Et moi, j'ai compris tout de suite ce qu'elle voulait. Je lui ai dit, je vais vous faire des petits desserts à très peu de calories, et puis très beau dessert. Oh, c'est intéressant. Je pensais pas que ça pouvait se faire, mais tout est possible. Tout est possible. Souvenez-vous, je suis français. Tout est possible.
et je suis connu à la Maison-Blanche comme le chef pâtissier qui n'a jamais fait le même dessert deux fois. Et ça, ça vient pas de moi, ça vient des gens qui travaillaient avec moi à la Maison-Blanche. Suivez-moi. Alors voici, nous allons arriver dans ce beau salon où j'ai tellement de grands souvenirs de la Maison-Blanche. Roland collectionne les souvenirs par milliers, avec ses desserts préférés des présidents américains. La tarte aux noix de pécan de Jimmy Carter, le gâteau au chocolat de Ronald Reagan, le soufflé aux pommes de George Bush, ou encore le pudding de brioche beurrée aux myrtilles pour son fils. Roland a ainsi inventé et cuisiné des centaines de desserts pour les dîners d'État de la Maison-Blanche. Il se souvient en particulier de la visite du premier ministre japonais. La première dame à l'époque qui est assise à côté de lui n'est autre que Nancy Reagan. C'est un grand dîner officiel à la Maison-Blanche entre le Japon et puis l'Amérique. Et puis cette grosse orange arrive à la table et cette orange est faite en sucre soufflé. Ça veut dire une boule de sucre qui au départ est à peu près comme ça. Et puis après, quand j'ai fini de souffler, c'est à peu près la taille d'un ballon de football. Quand le premier ministre Nakasone, quand il a demandé à Madame Reagan, il a dit, mais dites donc, c'est des grosses oranges, ça. Où c'est que vous les trouvez en Amérique? Oh, Madame Reagan a dit, mais monsieur, ces oranges, elles poussent seulement en Californie. Seulement en Californie. Alors, naturellement, toute la salle à manger s'y sont bien mis à rire. Roland Meynier a servi sous 5 présidents américains. Le chef pâtissier est toujours parvenu à conserver son poste malgré les changements d'administration. Il a fait partie de la grande famille de la Maison-Blanche pendant près de 27 ans. Une grande famille qui doit un jour savoir se dire adieu à la fin de chaque mandat présidentiel. Le départ du président et de sa famille, c'est comme un enterrement à la Maison-Blanche. Parce que même s'ils ont fait des choses des fois un peu bizarres, les gens ne sont pas là pour leur en reprocher et leur dire ça. Je vous jure, si vous êtes à la Maison-Blanche le jour du départ, vous ne verrez personne qui n'a pas la larme à l'œil. Et l'un des plus beaux discours qu'un président américain ait tenu pour rendre hommage au personnel de la Maison-Blanche reste sans aucun doute celui de Richard Nixon, le 9 août 1974. Ce n'est pas la plus grande maison du pays. D'autres maisons sont bien plus grandes, dans des pays encore plus petits. Mais c'est la meilleure des maisons. C'est la meilleure car elle a quelque chose de beaucoup plus important que le nombre de personnes qui servent. Beaucoup plus important que le nombre de pièces ou que sa taille. Beaucoup plus important que le nombre de magnifiques œuvres d'art. Cette maison a un grand cœur. Et ce cœur vient de ceux qui la servent. La Maison-Blanche est sans doute l'un des bâtiments les mieux gardés et protégés au monde. Le 11 septembre 2001, pourtant, la Maison-Blanche est une cible potentielle lors des attaques terroristes qui frappent les États-Unis. Vous allez comprendre comment ceux qui sont présents ce jour-là vivent la situation et comment les agents s'organisent. Et c'est sous le bâtiment et grâce aux travaux gigantesques entrepris par le président Harry Truman il y a plus de 70 ans qu'un bunker a été construit pour permettre à la Maison-Blanche de se protéger des attaques sur le sol américain. 11 septembre 2001. Le personnel de la Maison-Blanche est en pleine ébullition. Et pour cause, dans l'après-midi, 5000 personnes sont attendues pour participer au traditionnel barbecue du Congrès. En cuisine, le personnel s'active et les tables commencent à être dressées. Dans son atelier, le chef pâtissier français Roland Meynier est en plein travail. 5000 personnes, tout le gouvernement américain, tous les gens du Capitole étaient invités. Ils le font tous les ans. C'est le Congressional Barbecue qu'ils appellent.
Et cette année, c'était là que ça allait se passer. Et j'avais des extras partout qui travaillaient avec moi pour produire la pâtisserie, les desserts et tout. Alors, c'était une superbe journée, un soleil, il faisait tellement bon et tout. Anita McBride travaille quant à elle dans l'aile ouest cette année-là. Elle fait partie de l'équipe du président américain George Walker Bush. Et ce matin-là, comme d'habitude, elle prend son café dans le mess des officiers, sous le bureau ovale. Il est 8h34 quand une collègue lui raconte ce qu'il se passe à New York. Je venais de m'asseoir au mess des officiers avec une collègue pour petit déjeuner quand quelqu'un est venu nous dire qu'un avion venait juste de percuter le World Trade Center à New York. 40 minutes plus tard, à Washington, un troisième avion s'écrase sur le Pentagone, le plus stratégique de tous les bâtiments militaires américains. Regardez, regardez, on peut voir l'un des murs du Pentagone qui vient totalement de s'effondrer. Le Pentagone n'est qu'à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche. Les services secrets sont en alerte. La Maison-Blanche devient une cible potentielle. Un membre des services secrets est entré dans le mess pour me demander de faire évacuer tous ceux qui étaient dans leur bureau de l'aile ouest et de les rassembler à cet endroit. Le mess des officiers est situé au sous-sol. C'est juste à côté de la Situation Room, qui est une salle de conférence sécurisée. Je pense que nous étions tous convaincus d'être dans un endroit sûr où nous pourrions enfin avoir des infos et comprendre ce qui se passait vraiment dehors. La Situation Room et le mess des officiers se situent au niveau inférieur de l'aile ouest, en dessous du bureau ovale. Au même moment, dans les cuisines de la résidence présidentielle, le chef pâtissier Roland Meynier est toujours en plein travail. Il ne sait pas ce qu'il se passe à l'extérieur. Alors j'étais en train de travailler là, et puis d'un seul coup, il y a une des femmes qui travaille dans les bureaux, rentre, puis elle m'attrape par ma veste, puis elle me dit « Roland, dégage, 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 fous le camp, cours, cours, cours !» Je dis « Mais qu'est-ce que... » Je dis « Mais mon anglais, what the fuck is this ?» Il dit « Qu'est-ce que c'est que cette merde-là? Qu'est-ce que tu veux déjà le courir où ? J'ai du travail à faire, fous-moi la paix. Roland, je te dis de partir tout de suite parce qu'on va être attaqué dans 10 minutes. Et c'est sérieux. » Et puis, très rapidement, les directives des services secrets ont radicalement changé. Et l'ordre était de faire sortir tout le monde. Juste courir. Allez-vous-en, ne restez pas sur l'herbe. Et c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas quand vous travaillez à la Maison-Blanche. Lorsque vous travaillez là-bas, vous avez l'impression d'être dans l'endroit le plus sûr qui existe. C'est une forteresse, en quelque sorte, une forteresse inaccessible. Vous vous sentez protégé, vous vous sentez en sécurité, vous êtes entouré par les services secrets et les militaires. Mais les ordres pour faire sortir tout le monde étaient stricts et nous sommes tous partis aussi rapidement que possible. Je n'avais jamais vu les portes de la Maison-Blanche ouvertes en grand comme ça. Tout était ouvert. On a juste dit aux gens de courir. Alors j'ai quitté la chocolate room avec ma toque et puis tout. Parce que j'avais quand même une quinzaine de personnes qui travaillaient pour moi ce jour-là. Alors j'ai dit, faites-leur de partir, et faites sûr d'éteindre les fours avant de partir. C'est tout ce que je veux. Les fours éteints et dégagés. Hey, vous remontez tout en haut de la rue. C'était plus la maison, pour moi, la maison qui était imprenable. C'était fini, ça. C'était fini. Elle est devenue vulnérable, comme toutes les autres maisons. Pourtant, il existe bien une partie de la Maison-Blanche ultra sécurisée. Et tandis que le personnel de la résidence est évacué, les membres du cabinet présidentiel sont emmenés sous l'aile est. C'est là, derrière de lourdes portes en acier, que se trouve un couloir souterrain. Celui-ci mène à ce qu'on appelle le centre opérationnel présidentiel. En d'autres termes, le bunker de la résidence du président. Le 11 septembre,
C'est là que la First Lady, Laura Bush, est emmenée aux côtés de Dick Cheney et de leurs collaborateurs. On sait qu'à l'époque de la guerre froide, les Américains ont décidé de construire un dispositif qui est de l'ordre du bunker. C'est en quelque sorte le lieu qui permet de préserver le cœur de la démocratie américaine. Ce jour-là, le président Bush n'est pas à Washington. Il rejoint la capitale américaine à bord d'Air Force One, l'avion présidentiel. Véritable maison blanche volante, cet avion offre la possibilité au président d'exercer son pouvoir en cas d'attaque sur le sol américain. Le terme d'Air Force One a commencé à être utilisé quand il y a eu confusion avec les contrôleurs aériens qui parlaient du numéro de vol dans lequel se trouvait le président. Ils ont donc décidé qu'au lieu d'utiliser des numéros de vol normaux, ils l'appelleraient simplement Air Force One. Et cela alerterait tout le monde que c'était l'avion présidentiel et que vous feriez mieux de faire attention et de vous en éloigner. Capable de se ravitailler en plein vol, Air Force One a une portée illimitée. L'électronique embarquée est à l'abri de toute attaque électromagnétique. Le président peut ainsi communiquer en toute sécurité avec son état-major. C'est une véritable forteresse volante. Le 11 septembre, c'est donc à son bord, puis dans l'hélicoptère Marina One, que le président Bush rejoint finalement la Maison Blanche ce jour-là. À sa descente, il est aussitôt dirigé vers les sous-sols de la résidence présidentielle. C'est également là que Donald Trump est conduit pour sa protection lors des récentes manifestations violentes qui ont éclaté dans toute l'Amérique et aux portes de la Maison-Blanche à Washington. Tous protestent contre la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier à Minneapolis. Cette partie souterraine de la Maison-Blanche date des travaux entrepris par le 33e président des États-Unis, Harry Truman. Nous sommes en 1948, et c'est un événement insolite qui précipite le futur chantier. En 1948, l'un des événements les plus connus est lorsque le pied du piano de sa fille transperce le sol, faisant tomber un morceau du plafond en dessous. Des experts réalisent que la Maison Blanche est en fait vétuste et menace de s'effondrer. C'est une ruine. Et donc, symboliquement, Truman va construire son pouvoir en reconstruisant la Maison Blanche. Et Truman va faire de la Maison Blanche quelque chose de totalement nouveau. Elle n'est plus adaptée. Elle n'est pas assez moderne. Elle n'est pas assez grande. Elle n'est pas assez sécure. Parce que bientôt arriveront les menaces nucléaires. Et donc, il va falloir construire, reconstruire l'intégralité. Et donc, ça va être des travaux gigantesques. Depuis 150 ans, la Maison Blanche, dans ses fondations, est restée telle qu'elle. Harry Truman décide alors d'un énorme chantier de rénovation. Mais le président est très attaché à l'aspect extérieur de la résidence. Il sait qu'elle est le symbole du pouvoir présidentiel. Alors sa consigne est claire, il ne faut surtout pas toucher à la façade. Maintenant, comment faire pour remplacer des installations vieilles de 100 ans tout en conservant le symbole? Eh bien, vous gardez les murs de pierre en place. Les ingénieurs vont alors démonter pièce par pièce les bulldozers pour les reconstruire à l'intérieur des murs de la Maison Blanche. Les travaux peuvent commencer. L'intérieur du bâtiment est reconstruit avec de l'acier et du béton. On ajoute des sous-sols pour installer la climatisation, le chauffage, l'électricité et toute la plomberie qui passe dans les murs. Et vous faites une maison blanche fortifiée avec les murs de pierre que les maçons, les esclaves et les hommes libres ont érigés deux siècles plus tôt. Après 4 ans de travaux, le président Truman est si fier de sa nouvelle maison blanche qu'il invite les caméras de télévision. Le président Truman rencontre 3 journalistes dans le hall principal de la Maison Blanche, tout juste restaurée. Je suppose que c'est la plus grande salle de la Maison Blanche, président Truman.
Oui, c'est la salle de bal. C'est là que tout le monde se rassemble pour les réceptions officielles. Je me demandais, Monsieur le Président, est-ce que ça vous dérangerait de jouer quelques notes de piano ? Mais c'est véritablement sous terre que les principales modifications sont apportées à l'édifice. Avec tout d'abord l'agrandissement de ce fameux bunker sous l'aile est, mais aussi la création de nombreux tunnels. Les systèmes d'air conditionné et d'approvisionnement en eau sont aussi remplacés pour devenir autonomes et ainsi empêcher toute tentative de contamination extérieure. La sécurité de la Maison Blanche est évidemment un sujet sérieux. Pas moins de 300 officiers des services secrets sont entièrement dédiés à la protection du président américain. Et lorsqu'ils communiquent entre eux, les agents utilisent un langage spécifique. Ainsi, la couronne désigne la Maison Blanche et chaque membre de la famille a lui aussi son nom de code. Ces noms de code sont générés de manière aléatoire par des ordinateurs. Si le nom de code ne sonne pas bien ou peut-être que c'est un mot trop compliqué, il ne sera pas utilisé et le président peut également choisir son propre nom de code. Celui du président Trump est Mogul. Celui de Melania est Muse. Pour en revenir aux Clinton, tous les noms de code commençaient par E. Donc le président, c'était Eagle, et Hillary, Evergreen. En étant au contact 24 heures sur 24 avec le président et sa famille, les agents des services secrets sont parfois les témoins de scènes qui n'ont rien à voir avec la politique. Sous la présidence de John Fitzgerald Kennedy, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Tout le monde savait très bien que dans la piscine de la Maison-Blanche, il y avait des filles à poil. Tout le monde le savait, personne ne le disait. Un jour, JFK nageait dans la piscine de la Maison-Blanche avec deux jeunes assistantes connues sous le nom de F et F. Elles ne portaient ce jour-là qu'un t-shirt blanc mouillé. On voyait tout, et Jackie était partie. Mais les services secrets ont alors transmis par radio qu'elle avait décidé de façon inattendue de revenir à la Maison Blanche. Les services secrets ont donc averti JFK, qui leur a donné son Bloody Mary et leur a dit « Goûtez, vous allez voir, c'est bon ». Et il a quitté la piscine. C'est le genre de choses qui arrivaient à la Maison Blanche, sous JFK. Lyndon Johnson était plus vorace, avec un très gros appétit sexuel. Il avait des relations avec la majorité de ses secrétaires. Un jour, alors qu'il faisait l'amour avec l'une d'entre elles dans le bureau ovale, sa femme, Lady Bird, est arrivée. Il est devenu furieux contre les services secrets et leur a dit « Vous auriez dû me prévenir ». Il a ensuite insisté pour qu'ils installent un système d'alarme spécial qui pourrait l'alerter de la présence de Lady Bird à la Maison-Blanche. Tenus à la plus absolue confidentialité, les services secrets américains sont créés par le président Abraham Lincoln, 2 ans après avoir aboli l'esclavage. Une décision qui va lui coûter la vie. Ironie de l'histoire, les services secrets ont été créés par décision du président Abraham Lincoln le jour même de son assassinat, le 14 avril 1865. Le seul officier de police de Washington, D.C., qui était censé le protéger, a décidé de prendre un verre dans une taverne du coin. Lincoln était donc au 4e rang du théâtre, il était donc sans protection quand John Wilkes Booth lui a tiré dessus. Avec ses 1200 gardes en uniforme et ses 2000 agents spéciaux affectés à sa protection, la Maison Blanche est aujourd'hui l'un des endroits les mieux gardés au monde. Tout ce qui s'y passe, comme tout ce qui s'y décide, a une influence sur l'ensemble des États-Unis, mais aussi sur l'ensemble de la planète. Et même si depuis quelques années, il est de plus en plus difficile d'y entrer, son image, comme celle du président, continue d'alimenter l'histoire et tous les fantasmes. Cette Maison Blanche est tellement présente dans la rétine des Américains, appartenant à la culture populaire américaine, présente dans les dessins animés, dans les séries et dans les films. C'est ça, la maison du peuple. À la Maison Blanche, on a la galerie de portraits de tous les présidents qui se sont succédés. Et finalement, si on regarde cette galerie de portraits, on voit
On voit les moments de gloire, on voit les moments de crise, on voit les moments où le pays a failli sombrer, ceux où il s'est relevé. Tout ça, c'est à la Maison-Blanche, dans la Maison-Blanche. C'est un lieu historique, c'est un lieu de pouvoir. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Qui sera le prochain locataire, car c'est le terme, encore une fois, de ce lieu magique? Le lieu est-il encore magique? Moi, je pense que oui. C'est ainsi que s'achève notre émission sur la Maison Blanche, dont nous vous avons ouvert les portes et dont vous connaissez maintenant tous les occupants. Merci de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très bientôt sur France 2 pour percer les secrets de nouveaux lieux de pouvoir.